François Truffaut, vous avez invité Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque. Est-ce que vous avez envie de lui poser des questions maintenant ou est-ce que vous préférez... Bah, on pourrait faire, non, je pense qu'on pourrait faire comme pour Renoir et pour Jeanne Moreau. Bon, j'ai posé quelques J'aimerais questions beaucoup voir Henri Langlois interviewé par vous. Vous pouvez le regarder là, alors, là, il y a un petit poste là devant. Entendu. Regardez, bon. Henri Langlois, est-ce qu'il vous arrive de trouver encore aujourd'hui des films, de découvrir, de faire des découvertes? Oh ben écoutez, pas plus loin que la semaine dernière. Il y a une découverte dont je ne suis pas responsable. On cherchait depuis des années et des années un film dont les négatifs avaient été détruits pendant l'occupation. Et le metteur en scène m'a téléphoné avant-hier pour me dire qu'il l'avait retrouvé. Pas le négatif, mais encore moins un contre-type. Et puis, l'autre fois, on cherchait, depuis 2 ans, je cherchais un film. Le producteur m'avait supplié de trouver un moyen de le trouver. Et puis un jour, un camion est arrivé, m'a déchargé des tonnes de films à la Cinémathèque, et parmi ces tonnes, il y avait ce négatif. Question contraire, alors, pourquoi est-ce qu'il y a des films qu'il est impossible de retrouver? Il y a différentes raisons pour lesquelles les films... D'abord parce qu'il y a eu une période où les gens ont cru, pendant la guerre de 14 par exemple, sauver les films en les mettant sous terre. Ah oui. N'est-ce pas? Alors ils ont été détruits pendant la guerre, du fait simplement du... de la mauvaise conservation. Ensuite, il y a eu des périodes où les gens ne s'intéressaient pas du tout à la sauvetage des films. Par conséquent, tout d'un coup, ça encombrait, hop, on les envoyait à la fonte. Il y a des films qui ont été simplement détruits parce que on a raconté que le nitrate était explosif. C'est une grande campagne qui a été menée depuis 10 ans. Personne ne s'est jamais préoccupé du nitrate pendant les années passées, pendant 60 ans. Et alors les gens se sont mis à trembler, ils ont détruit des masses de films. Enfin ça c'est surtout aux États-Unis. En France, je crois que les destructions les plus fortes ont eu lieu avant la création de la Cinémathèque, sous l'occupation, malgré nos interventions, il y a eu des zones qui ont échappé. Et puis il y a eu un très grand nombre de négatifs qui ont été détruits par suite d'un accident. Oui. Il y a des films définitivement perdus, par conséquent. Alors, pour l'instant, il y a des films définitivement perdus, mais enfin, c'est une chose merveilleuse. Je crois que les films ne sont pas perdus, on va tous les retrouver. Oui. Les bons films, oui. Je ne parle pas des mauvais. Et par conséquent, qu'est-ce que je peux vous dire? La liste des films perdus cesse de... Oui. Devenir de plus en plus... Enfin, la liste de ceux que vous recherchez est très longue. La liste des films que je recherche est très longue. Combien à peu près? Oh, qu'est-ce que je peux vous dire? Il doit y avoir 5 ou 6 000 encore des films importants qu'on n'a pas retrouvés. Vous avez dit tout à l'heure des bons, naturellement. Or, il me semblait qu'en principe, les mauvais vous intéressaient autant. Ah, mais tout m'intéresse, parce que d'abord, personne ne sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui. Par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, 2000 négatifs, par exemple. Bon, 2000 négatifs français qui ont disparu. Bon, il en reste des petits morceaux, des fragments. Bon. Ça sert à rien, en apparence. Et puis un jour, j'ai montré à Truffaut, j'ai voulu absolument m'assurer que c'était vraiment des fragments, que j'étais pas fou, que c'était vraiment rien, que c'était vraiment des bribes. Alors j'ai tiré. Et puis quand j'ai vu ça sur l'écran, je me suis effondré. C'était toute l'histoire du cinéma français qui était à réécrire. Enfin, nous avions avec Sadoul et avec Mitry pensé que c'était des films importants, mais je pense que Truffaut se souvient de ce film extraordinaire que je vous avais un jour avenue de à Chaillot, vous étiez venu l'après-midi, puis je vous avais montré ce film avec Polaire, qui était, enfin ce film, c'est quelques images, où en 1911, il y avait un metteur en scène français, absolument inconnu, ne figurant dans aucune histoire de cinéma, dans aucune critique, qui avait tourné un film en 1911 avec la technique des 1928. Comment s'appelle-t-il? Je n'en sais rien. Truffaut.